Mesdames et messieurs, bonjour. Soucieux de revoir la politique africaine de la France, Emmanuel Macron a remis en cause l'un de ses piliers, l'aide publique au développement gérée par l'Agence française du développement. Cela s'est passé fin février, quelques jours avant sa tournée qualifiée de ratée, dans quelques pays africains, notamment la République démocratique du Congo. Le président entend passer de la logique d'aide à celle d'investissement pour établir, selon lui, une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable avec les pays du continent africain, en particulier ceux de la zone France-CFA et de la CDAO. Alors que la France représente déjà le cinquième pays à fournir des fonds au niveau international pour l'aide publique au développement, après avoir franchi pour la première fois le seuil de 10 milliards d'euros en 2017, l'aide française est en hausse progressive et a atteint 12,4 milliards d'euros en 2020, à son plus haut niveau historique selon un bilan officiel. Néanmoins, malgré toutes ces décennies d'aide au développement, les pays de la zone France-CFA, tout comme ceux de la CDAO, sont parmi les plus pauvres au monde. Alors, l'aide au développement française, comme tout autre d'ailleurs, n'apporte-t-elle pas les changements et les avancées économiques à travers les fonds venus? Alors, pourquoi justement elle n'apporte pas les changements à travers les fonds venus de pays étrangers ou d'organismes internationaux? Par ailleurs, étant elle-même surendettée, d'où la France tire-t-elle les fonds qu'elle alloue à l'aide publique au développement en Afrique? Et comparée à ce qu'elle prend à l'Afrique via le système du franc CFA et l'exploitation des matières premières, peut-on vraiment parler de la générosité de la métropole envers ses anciennes colonies? Alors, pour parler de ce problème fondamental, j'ai le plaisir de recevoir M. Sébastien Perremoni, membre de l'Institut Schiller en France, expert de l'Afrique et auteur du livre « L'Afrique avec les yeux du futur ». Donc, M. Perremoni, bonjour. Bonjour à vous et merci de votre invitation. Bien. Alors, ma première question, que pensez-vous de la déclaration de Macron au Gabon d'abord, où il dit qu'il a l'intention de mettre fin où le système de la France-Afrique est terminé, et la question de l'aide publique française au développement et aux pays africains? Eh bien, Macron, quelque part, a raison quand il dit que c'est bientôt la fin de la France-Afrique, sauf que le problème, c'est que ce n'est pas lui, M. Macron, qui va mettre fin à cette France-Afrique. La politique actuelle de la France, et celle en particulier de M. Macron, est dans la droite lignée de la politique france-africaine depuis les années 60. Mais la France-Afrique, en effet, va bien se terminer, mais non pas grâce à Emmanuel Macron, mais grâce à la jeunesse africaine. Grâce à la jeunesse africaine qui aujourd'hui se mobilise. D'ailleurs, vous l'avez dit, cette tournée de M. Macron en Afrique a été ratée parce que la bonne nouvelle, c'est que plus personne n'écoute la France en Afrique. Plus personne ne veut recevoir de leçons de démocratie, de bonne gouvernance. On a vu l'échange très houleux avec le président de la République démocratique du Congo, par exemple, qu'il a indexé. Donc oui, la France-Afrique va se terminer, mais grâce à la jeunesse africaine. On a vu des révolutions populaires se développer ces dernières années en Centrafrique, récemment au Mali, au Burkina Faso, en Guinée. La jeunesse en a marre de cette France-Afrique. Elle a décidé de reprendre son destin en main. Et donc aujourd'hui, elle a mis en place des transitions politiques qui sont en train de sortir de cette France-Afrique. Et je pense que c'est la bonne nouvelle et qu'il ne faut pas attendre de M. Macron qui mette fin à la France-Afrique. Et concernant cette aide au développement, Alors, l'aide au développement, c'est une histoire, faut reprendre l'histoire. En fait, ça commence le 24 octobre 1970, si vous voulez, quand l'UNESCO décide de manière tout à fait unilatérale, l'UNESCO, les institutions internationales, décident que chaque pays de l'OCDE doit consacrer, à l'époque, c'était 0,3, 0,4, 0,5% de son PNB au développement de l'Afrique. Donc, ça veut dire quoi? C'est le début du néocolonialisme. Parce qu'il y a eu la période des indépendances dans les années 60,
où sont arrivés en effet des leaders charismatiques, Modibo Keïta, Sékou Touré, Nkrumah et bien d'autres, et donc qui, eux, ont réellement développé des politiques de développement, de grands projets et de mise en place d'un vrai développement industriel. Et pour contrecarrer ça, la France et l'Occident, de manière plus générale, a mis deux choses en place, des coups d'État. C'est une période dans les années 60 où il y a eu énormément de coups d'État en Afrique pour mettre en place des marionnettes, et même jusque dans les années 80, avec Thomas Sankara, par exemple, qui a été assassiné en 86. Et donc, là, c'était un des piliers, les coups d'État militaires pour mettre en place des marionnettes. Et le deuxième, c'était évidemment le contrôle politique par l'aide au développement, qui était l'héritage du Congrès de Berlin, c'est-à-dire qu'on considérait que l'Afrique n'est pas capable de se développer par elle-même. Et donc, que nous, les pays civilisés, lui ont donné, comme des dames patronesses, quelques miettes de notre PIB, 0,3% à l'époque. Et aujourd'hui, bon, comme vous l'avez dit, ça a augmenté. Rémi Rioux, l'homme qui valait 12 milliards, comme on l'appelle ici, qui est le président de l'AFD, a dit que c'était un effort extraordinaire que nous passions de 0,38% de notre PNB à 0,55% grâce à la présidence Macron. Mais cela ne représente rien. Vous savez qu'aujourd'hui, on donne plus d'argent, la France donne plus d'argent à l'Union européenne pour son fonctionnement qu'elle n'en donne dans l'aide au développement à l'Afrique. Et après, je sais qu'on va parler des résultats de cette aide au développement. Quand on voit les résultats, c'est absolument catastrophique. D'accord, merci. Alors, la question, justement, parce qu'on se gargarise, et pas uniquement la France, comme vous l'avez souligné à juste titre, il y a beaucoup de pays qui se gargarisent de ça, d'apporter des fonds d'aide au développement à l'Afrique. Mais la question, pourquoi alors que c'est une politique qui dure depuis des décennies, pourquoi toutes ces aides-là n'ont pas apporté le développement escompté? Parce que ce n'est pas le but, tout simplement. Si vous prenez les pays de la zone CFA, les 14 pays de la zone CFA aujourd'hui sont tous classés selon le rapport de l'ONU sur l'indice de développement humain, vous savez, qui est publié chaque année, où on évalue des pays les plus riches aux pays les plus pauvres. Les 14 pays de la zone CFA aujourd'hui sont classés dans les 30 pays les plus pauvres du monde. Ça veut dire que c'est les plus pauvres de la planète. C'est-à-dire que toute cette aide au développement, soi-disant qui avait pour but d'aider le continent à se développer, a créé les conditions aujourd'hui où certains pays sont même pires qu'à l'époque, dans des situations plus graves. Donc, c'est-à-dire que cette aide au développement n'a contribué en rien et ces pays restent en effet aujourd'hui les plus pauvres de la planète. D'accord. Alors, maintenant, une question un peu plus technique, mais qui est aussi politique, c'est qu'à ce jour, étant donné que tous les pays, comme vous l'avez souligné, de la zone France-CFA sont obligés de déposer 50% encore de leurs avoirs dans un compte en France, compte dans lequel ils reçoivent les francs CFA imprimés par la Banque de France. Alors, peut-on vraiment parler d'aide au développement? Puis, étant donné que c'est toujours la France qui est la garante en dernier ressort du franc CFA, comment ces pays pourraient-ils se développer alors qu'ils n'ont pas de souveraineté sur leur monnaie? C'est une excellente question. Vous savez, il y a un professeur camerounais qui s'appelait le professeur Pouémi, qui a écrit un livre qui est exceptionnel dans les années 80, avant malheureusement de se faire également assassiner, enfin du moins de mourir dans des conditions très douteuses. C'est le professeur Chuing Jiang Pouémi. Son livre s'appelle « Monnaie, servitude et liberté » et dans lequel il dit cette phrase qui est absolument extraordinaire. Il dit que la France est le seul pays dans le monde à avoir réussi à faire vivre sa monnaie et rien que sa monnaie dans des pays politiquement libres, en parlant du franc CFA. C'est-à-dire que c'est le seul cas dans le monde où des pays ont leur monnaie qui est contrôlée par une puissance extérieure. Donc c'est ça la tutelle du franc CFA, c'est ce que j'ai appelé moi-même une curatelle financière. C'est-à-dire qu'on considère que l'Afrique n'est pas capable de gérer ni son budget, ni ses crédits, ni son argent, ni sa dette. Et donc il faut un papa pour gérer son argent. Donc c'est une curatelle financière, c'est de l'esclavage monétaire. Certains employaient ce terme. Et aujourd'hui, qui fait qu'en effet, les pays ne sont pas souverains dans leur choix économique de dire, par exemple, je vais investir 10 milliards pour la création d'un chemin de fer, 10 milliards pour un barrage hydroélectrique, parce qu'ils sont sous tutelle de ce franc CFA qui est hérité de la colonisation. Ça a été mis en place en 1945. Et aujourd'hui, justement, c'est toujours ce système qui perdure.
et que je pense que si Macron était sérieux quand il dit qu'il veut mettre fin à la France-Afrique, la première chose, ce serait de faire cette réforme monétaire, c'est-à-dire de mettre fin au franc CFA directement et de redonner la capacité aux États africains de gérer leur propre argent. Merci. Et une autre question, donc toujours dans le même sens, des experts africains, je crois que c'est l'expert que vous venez de, enfin, il en fait partie, dénonce le fait que les réserves en devises des pays membres de la zone franc CFA, donc qui sont déposées à la Banque de France, qui sont déposées donc à la Banque de France et que la Banque de France met dans des comptes rémunérés et que selon eux, ce sont les intérêts empochés qui alimentent le fonds des aides publiques entre guillemets au développement et parfois même des dettes octroyées à ces pays par leur propre argent, en prenant de leur propre argent et on les endette avec leur propre argent. Alors, qu'en pensez-vous et de quelle dette au développement peut-on vraiment parler dans ce cas? Oui, tout à fait. Ben, on appelle ça les comptes d'opération qui ont été dénoncés par le professeur Nicolas Agbaou en France, qui avait écrit un livre très important sur le sujet. C'est-à-dire qu'on obligeait les pays, en effet, au début, c'était 100% de leurs devises qui étaient rapatriées sur les comptes d'opération. Alors, au fur et à mesure du temps, ça a diminué, etc. Dernièrement, M. Macron et M. Ouattara ont annoncé, vous savez, cette fameuse réforme de l'ECO. D'ailleurs, ils l'ont décidé de manière unilatérale, sans en parler à personne. Ça a fait flop, mais où l'idée, c'était justement de mettre fin à ce système des comptes d'opération. Donc, ce n'est toujours pas le cas. Et il y a aussi, si vous voulez, quand vous parlez, ce n'est même pas, si vous voulez, le fait que la France récupère cet argent sur des comptes d'opération pour ensuite le redistribuer. C'est bien plus grave que ça. C'est-à-dire que le néocolonialisme, on dit qu'on fait de l'aide au développement. 0,5% de notre PIB. Mais en fait, combien prend-on à l'Afrique chaque année? Vous savez qu'il y a trois fois la superficie de l'Allemagne en Afrique, si vous voulez, de terres et de forêts, etc., qui est possédée par des multinationales, et en particulier françaises, Louis Dreyfus, Bolloré, avec les forêts du Cameroun, du Gabon, etc. Donc, l'or du Mali, l'uranium du Niger. C'est-à-dire que ça fait absolument 60 ans qu'on dit qu'on fait de l'aide au développement, alors que pour quelques milliards qu'on donne, on en récupère 10 à 20 fois plus. Donc, c'est là, il est là le vrai scandale. Le vrai scandale, il est dans ce néocolonialisme de pillage systématique et systémique des richesses de l'Afrique qui l'ont empêchée elle-même de pouvoir se développer. Et comme je l'ai dit, la mise en place de dirigeants un petit peu corrompus et qui ont joué le jeu justement jusqu'aux dernières révolutions qu'on a vues dernièrement apparaître, qui petit à petit est en train de faire tomber ces marionnettes qui jouaient le jeu de cette France-Afrique. Une autre question. Donc, étant donné que le franc CFA est toujours adossé avec une valeur fixe, c'est 1 euro égal à 657 francs CFA. Donc, le franc CFA est adossé à l'euro. Et ce n'est pas seulement la France, donc, dans ce cas-là, puisque du moment qu'il est adossé à l'euro, qui profite du pillage de l'Afrique, mais toute l'Union européenne. La chute de l'euro dans le sillage de la crise ukrainienne. Nous avons très bien vu que, contrairement à ce que l'on pouvait penser, à tout ce que ceux qui disaient que le fait que le fonds CFA soit adossé à l'euro va donner une stabilité financière à ces pays, en réalité, les pays africains sont ceux qui ont subi les plus graves répercussions inflationnistes et qui ont fait sauter les prix des denrées alimentaires. Mais non seulement ça, puisque les dettes sont libellées en dollars, la chute d'environ 40% a fait exploser les dettes de 40%. Donc, pourquoi les Européens continuent-ils à piller ainsi les richesses des pays africains et pourquoi on parle de la pauvreté qui provoque l'émigration vers le nord? Mais quand on voit ça, ben, on peut se dire que les Africains ne demandent que ce qu'on leur fiche la paix Oui, pour rester chez eux. tout à fait. Mais vous savez, c'est encore une fois, c'est ça qu'on appelle le néocolonialisme. Ce n'est pas juste un mot, ce n'est pas juste une théorie. Le but, si vous voulez, des politiques qui ont été menées par la France, par les États-Unis, par la Grande-Bretagne et maintenant par l'Union européenne,
a été une politique, si vous voulez, malthusienne, une politique de réduction de la population d'Afrique, une politique de non-développement volontaire, une politique de pillage des matières premières, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Si on prend l'histoire du franc CFA, prenons un calcul simple. Vous savez, à l'époque, un franc français, c'était 50 francs CFA. Bon, vous pouviez acheter un ananas, par exemple, avec ça. Ensuite, la France a décidé de manière unilatérale de dévaluer. Vous vous rappelez la grande dévaluation En de 94. 1994. Voilà. Donc, du jour au lendemain, sans que personne ne soit prévenu, avec un franc français, valait 100 francs CFA. Donc, deux ananas. Donc, c'est-à-dire, rien n'avait changé à part la dévaluation monétaire, mais la France, au lieu d'avoir un ananas, pour le même prix, avait deux ananas. Et après, on est passé à l'euro. Donc, 1 euro, c'était 656 francs CFA, et là, c'était 12 ananas. Voyez? Donc, c'est-à-dire que le franc CFA adossé au franc français puis à l'euro est une pompe aspirante des matières premières, justement, à des prix extrêmement faibles, justement, pour alimenter les marchés européens. Donc, c'est une politique monétaire. Vous savez, ce n'est pas par hasard que Pouemi, encore une fois, a appelé le Fonds monétaire international le fonds de misère instantanée, en dénonçant ces politiques qui étaient explicitement des politiques de pillage, d'endettement, d'esclavage par la dette et d'endettement pour le pillage des matières premières et des ressources. Et c'est malheureusement, il faut le dire, c'est toujours la politique actuelle de l'Union européenne. Là-dessus, rien n'a changé. Et au début de notre entretien, vous avez dit que la jeunesse africaine, ce n'est pas c'est elle l'espoir dans le changement, mais ce n'est pas les politiques, qu'ils soient européens ou peut-être même, on peut dire, même africains, mais c'est la jeunesse elle-même. Je crois que vous avez fait pas mal de tournées déjà pour écrire votre livre, L'Afrique avec les yeux du futur. Vous pouvez nous le montrer, s'il vous Oui, plaît, comme ça qui pourrait intéresser beaucoup de... Tenez-le du bas s'il vous plaît, du bas comme ça. Voilà. Voir l'Afrique avec les yeux du futur. Alors, pouvez-vous nous dire justement, parce qu'on essaye dans les médias mainstream de toujours minimiser ce mouvement populaire, notamment de la jeunesse, qui revendique la souveraineté à leur pays, sans pour autant développer une animosité ou une haine contre les autres pays, mais seulement avoir le droit à se développer dans la dignité. Est-ce que vous Oui, pouvez ben nous je. dire ce qui se passe? Donc moi j'ai eu la. Oui, en effet, j'ai eu la chance d'aller dans plusieurs pays, à peu près 8, je crois, en Afrique, pour différentes occasions et différentes conférences. Le plus intéressant, je dirais que c'est quand je suis allé au Mali, il y a maintenant 2 ans, en janvier 2021, où j'ai pu justement participer à des manifestations sur place avec la jeunesse africaine, avec la jeunesse malienne, en tant que Français. Donc ce qui montre déjà, ils nous avaient invités là-bas en tant que gilet jaune, puisqu'ils voyaient que finalement les gilets jaunes et le combat des Africains, quelque part, se rejoignaient contre dans ce combat contre l'oligarchie financière qui finalement appauvrit tout le monde, appauvrit bien entendu l'Afrique, mais appauvrit ici en France, d'où le mouvement des gilets jaunes qui était sorti de cette paupérisation de notre système social en France. Donc on avait été invités là-bas, on avait fait de nombreuses conférences de presse. Justement, pour montrer que la question n'était pas d'être anti-français. La question n'est pas là, mais elle est anti-France-Afrique, anti cette politique justement de pillage systématique. Et c'est ça que les jeunes aujourd'hui revendiquent leur souveraineté. Ils veulent être maîtres de leur destin, ils veulent du développement et ils ne veulent plus être soumis à cette politique france-africaine. Et ça, c'est très, très intéressant de voir que justement, contrairement à ce que vous disiez des médias qui sont anti-français, pas du tout, ils sont pour leur souveraineté et le problème, c'est que c'est la France aujourd'hui qui les empêche de l'obtenir. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu un mot sur l'ampleur de ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui adhèrent à ces mouvements-là ou ce sont des mouvements sporadiques, comme on essaie de les dire, manipulés par les Russes, tantôt manipulés par les Chinois? Ils sont dans un jeu d'influence. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Ça fait partie si vous voulez, du narratif, comme on dit maintenant, de l'Occident. C'est l'Occident est en faillite. L'Occident est un empire qui se meurt. Aujourd'hui, il n'a plus que la guerre pour survivre et le pillage. Et donc, non,
Prenons encore une fois l'exemple du Mali, c'est des vraies révolutions populaires. Vous savez qu'en France, on considère ce qui s'est passé au Mali, en Centrafrique, au Burkina Faso ou en Guinée comme des coups d'État militaires. C'est-à-dire qu'on voit pas Absolument. ça comme des révolutions populaires, et j'insiste là-dessus. Moi qui ai été sur place, on a affaire à des vraies révolutions populaires, des dizaines de milliers de jeunes au Mali qui ont fait le déplacement vers la place de l'indépendance, qui a plus, ont demandé au président de partir. Président qui s'appelait IBK à l'époque, Ibrahim Boubacar Keïta, donc qui était justement une de ces marionnettes de la Françafrique, lui ont demandé de partir justement pour changer la politique de leur pays, pour retrouver cette souveraineté. Donc c'était vraiment une mobilisation très importante. Il y a eu deux soulèvements, puisque au moment où il y a eu le premier soulèvement, si vous vous rappelez, la France est intervenue pour imposer des gens de la société civile qui lui étaient plutôt favorables. Donc malheureusement, ça n'a pas plu à cette jeunesse. Elle s'est relevée et donc a demandé une nouvelle transition. Mais non, tout ça n'est pas manipulé par les Russes ou par les Chinois. On le voit, il y a un mouvement très fort actuellement au Sénégal également. On l'a vu au Burkina Faso avec la révolution qu'il y a eu dernièrement, en Guinée, au Niger. Je sais que beaucoup de jeunes sont en train de préparer, si vous voulez ça, parce qu'actuellement, le président du Niger n'est pas... Pas bien, disons, dans cette dynamique de recouvrer la souveraineté. Donc, mais c'est vraiment les peuples qui se réveillent aujourd'hui. Vous savez, on a accès aux réseaux sociaux. Maintenant, les jeunes ont accès à l'information. Ils ne sont pas manipulés ni par la Chine, ni par la Russie, ni par personne. D'accord. Et juste une dernière question avant la fin de cette première partie. Est-ce que cette jeunesse-là, justement, elle est consciente de l'enjeu économique pour asseoir la souveraineté, notamment monétaire, c'est-à-dire pour ne pas refaire les erreurs du passé, les mêmes erreurs au lendemain des indépendances? Ben, je pense que oui, vous savez, la référence au Mali, c'est Modibo Keïta. Vous savez, Modibo Keïta, en juillet 1962, il a brisé avec la Françafrique. Ouais. Il a mis fin, si vous voulez, à la présence militaire de la France au Mali. Et en juillet, 1962, il a fait un grand discours qui restait, dans l'histoire, justement, où il a annoncé la création d'une banque nationale et d'une monnaie nationale. Voyez? Donc, il y a cet héritage-là que la jeunesse connaît aujourd'hui, qu'il est possible de se libérer, justement, d'avoir une banque nationale, d'avoir justement une monnaie nationale, et de pouvoir justement développer son propre pays. Et quand on voit ce qu'a fait Modibo Keïta à l'époque, il a fait une agence aérienne, il a installé des conserveries pour les fruits et légumes, il a développé l'autosuffisance alimentaire, les transports autoroutiers et ferroviaires. Enfin, il a fait vraiment une vraie révolution industrielle finalement dans son pays. Malheureusement, il s'est fait dégager par la suite, c'est ce que je disais avec la série des coups d'État qui a eu lieu dans les années 60-70. Mais si vous voulez, il y a des précédents. Il y a des précédents. Et ça, aujourd'hui, l'Afrique est au courant parce qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup maintenant de chaînes de télé panafricaines, etc., qui font de l'éducation sur l'histoire même de l'Afrique. Et donc, on a eu en effet des périodes où la Françafrique a été mise KO. C'est le cas du Mali dans la période des années 60. Et ça reste aujourd'hui des exemples très forts. Bien sûr, Sankara, même si Blaise Compaoré a gardé le pouvoir pendant plusieurs dizaines d'années, l'esprit de Sankara n'est jamais mort. Et Sankara, c'est pareil, il avait lancé toute une politique industrielle, l'autosuffisance alimentaire, la formation des femmes, la lutte contre la désertification. Il voulait pas payer la dette, c'est pour ça qu'on l'a assassiné. Il a dit non, cette dette est illégitime, tout le monde le sait, on ne la paiera pas. Donc il a été également assassiné, mais ces leaders-là, aujourd'hui, sont dans la tête de tous les jeunes qui se réapproprient leur histoire et, je dirais, ont décidé de mener le combat jusqu'au bout. Il est clair que sans la souveraineté monétaire, aucun véritable développement socio-économique endogène à ces pays durables ne peut être réalisé rapidement et aisément, quelle qu'en soit la taille du pays. Nous le voyons actuellement même dans les pays développés en Europe, aux États-Unis, le fait que la dette pèse énormément sur les économies des pays, qu'elle les plombe complètement. Alors, le recours constant à des dettes extérieures, donc colossales, pour construire valablement le pays, a des limites structurelles, c'est normal,
parce que les secteurs qui doivent la payer se trouvent dans un état de délitement rapide, et ce qui conduit à la pauvreté et l'esclavage financier de la majorité de la population. Alors, la question. Aussi, après plus de 60 ans d'indépendance, n'est-il pas temps de sortir du système du franc CFA pour donner aux pays africains emprisonnés par ce système les moyens de leur développement? Et comment faire pour en sortir? D'abord, je voudrais commencer par citer Modibo Keïta, comme j'en ai parlé précédemment. Dans son discours, justement, il a inauguré la Banque nationale. Il disait ceci, il disait, quand nous remontons dans le temps, l'histoire nous enseigne que le pouvoir politique s'accompagne toujours et nécessairement du droit régalien de battre monnaie, que le pouvoir monétaire est inséparable de la souveraineté nationale, qui en est le complément indispensable, l'attribut essentiel. Pouvoir politique et pouvoir monétaire ne sont donc à dire vrai que les aspects complémentaires d'une seule et même réalité, la souveraineté nationale. Donc ça, c'était Modibo Keïta en 1962. Donc on n'a rien inventé. Donc on ne parle pas de il n'y a pas 60 ans d'indépendance, il y a 60 ans de néocolonialisme. Parce que si en effet les pays africains ne sortent pas du franc CFA, si on prend les exemples de l'Afrique francophone, ils ne seront jamais souverains. Et c'est intéressant parce que dans mon livre, Voir l'Afrique avec les yeux du futur, je consacre le premier chapitre justement à la question du crédit hamiltonien. C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà entendu la Chine aller quémander des millions au FMI pour faire 20 000 km de chemin de fer moderne comme ils ont fait, la station spatiale internationale, des robots sur Mars ou sur la Lune? Non, on n'a jamais vu ça. Est-ce que vous croyez que les États-Unis vont quémander au FMI ou ailleurs? Non. Hein. Donc l'Afrique, il n'y a pas de raison que l'Afrique ne fasse pas cette révolution, c'est-à-dire cette révolution monétaire. Et donc, Hamilton, juste pour le situer, c'était le premier secrétaire au Trésor américain au moment où les États-Unis étaient encore plutôt pas mal, parce qu'ils avaient fait tomber l'Empire britannique. Et à l'époque, dans les colonies britanniques, il est interdit de faire des manufactures, des industries, c'est simplement des réservoirs de matières premières et de main-d'œuvre pas chère, l'esclavage, c'est parti. Et donc, les révolutionnaires américains, et en particulier Alexander Hamilton, dit voilà, on va mettre KO cet empire britannique et on va faire une révolution monétaire. Donc il écrit trois textes sur le crédit, sur la Banque nationale et sur les manufactures. Et il développe ce qu'on appelle aujourd'hui le système de crédit productif public, c'est-à-dire un système où un État a le droit, comme le disait Modibo Keïta, l'attribut essentiel de battre monnaie pour investir de l'argent à long terme, à faible taux d'intérêt, pour justement aménager son territoire, développer des manufactures, etc. Donc c'est ce que j'explique dans le premier chapitre de mon livre, c'est que l'Afrique doit faire cette révolution hamiltonienne, faire tomber cet empire plus C'est britannique. juste pour comme précision pour nos auditeurs. Je Est-ce vous en que c'est prie. ça que vous appelez la Banque nationale versus la Banque centrale? Parce Centrale, qu'en tout à fait. généralement, beaucoup de gens confondent sur le fait de créer la monnaie fiduciaire, d'imprimer les billets ou de fabriquer les pièces, et le fait de créer la monnaie, la création monétaire. Est-ce que vous pouvez nous détailler ça un peu? Oui, simplement, là, je parle bien de banque nationale. D'ailleurs, on vit dans un monde de banque centrale indépendante. Et vous savez, je dirais même, pour faire un petit peu sur le ton de la blague, que franc, CFA et euro, c'est le même combat. Aujourd'hui, nous, on est allé se mobiliser, on se mobilise contre l'euro, parce que l'euro est également une monnaie que nous ne contrôlons pas. C'est contrôlé par une banque centrale indépendante qui gère notre budget, notre crédit, etc. Tout comme nous, on le fait avec le franc CFA. Donc là, je parle bien du. C'est pour ça qu'il faut être précis, ce que développe Hamilton, c'est une banque nationale de crédit productif public. C'est-à-dire que c'est une institution d'État qui permet de créer de l'argent, mais pas de l'argent juste pour créer de l'argent pour l'investir dans des domaines productifs. C'est pour ça qu'on parle de crédit productif. Et cet argent, on va mettre par exemple 10 milliards sur 10 ans pour faire un chemin de fer qui va aller de Lille à Marseille, par exemple, ou de Ouagadougou à Abidjan. Et c'est par la rentabilité de ce projet qu'on va pouvoir, au fur et à mesure, éliminer le crédit qui a été initié au départ. Donc, il faut faire des investissements productifs dans le sens où ça doit rapporter plus d'argent que ce que ça a coûté à la base, si on ne veut pas s'endetter en effet. Mais
C'est pourquoi pourquoi l'Afrique est endettée, c'est que justement, elle n'a pas ce développement des infrastructures, elle n'a pas l'énergie, elle n'a pas l'eau, elle n'a pas tout ça. Alors que c'est ça qui lui rapporterait de l'argent et développerait sa productivité. Ah, ça Mais créerait des il y a emplois. certains qui vont vous dire, Monsieur Pérémoni, que c'est un système qui sera vachement inflationniste, alors que à ce moment-là, déjà en ce moment, on souffre d'une Non, hyperinflation. parce que... Si vous rajoutez ce système d'impression monétaire, vous allez faire exploser l'économie. C'est Quel est considérer que votre... les gens sont stupides parce que le système hyperinflationniste aujourd'hui, c'est exactement ce dans quoi on est depuis 60 ans avec le système des banques centrales qui ont émis des quantités astronomiques. Vous savez, les États-Unis, la Banque centrale européenne, prenons plutôt la Banque centrale européenne, elle a émis 4 500 milliards d'euros depuis la crise de 2008. Donc 4 500 milliards, où est passé cet argent? C'est juste pour Il n'est pas sauver passé dans les il n'est actifs pas dans toxiques l'hôpital. des banques. Il n'est pas dans l'hôpital, il n'est pas dans les infrastructures, il n'est pas dans le social, il n'est pas dans... Non, il est dans les banques, dans la spéculation. Et donc, c'est ce système de spéculation qui est le système inflationniste. Alors que le système de crédit productif public, comme développé par Hamilton, si vous voulez, c'est investir dans des infrastructures. Ce n'est pas créer de l'argent juste pour créer de l'argent. C'est créer de l'argent pour des projets. Et en ça, ce n'est pas du tout inflationniste parce que c'est justement ce qui rapporte de la richesse nationale. Voilà, prenez par exemple un Vous voulez exemple. dire Prenons qu'il y a, un il y exemple. a, vous voulez dire qu'il y a un effet autobloquant de l'inflation, puisque l'argent qui est créé correspond à un développement dans la réalité. Et des richesses réelles et pas de la spéculation financière comme on la connaît depuis des années. Et Vous savez, par exemple, c'est ce prenons système, est-ce que l'exemple c'est du ce... train. Oui, allez-y. L'exemple du train au Kenya. Ils ont fait ce train, ça a coûté certes de l'argent à la base, c'est un investissement, mais ça a permis d'avoir 2 points de plus du PIB, ça a créé plus de 25 000 emplois, des nouvelles infrastructures, du développement, et ça a rapporté beaucoup plus que ce que ça a coûté. Pareil pour le doublement du canal de Suez. On dit toujours que c'est des projets pharaoniques, mais non, c'est des projets qui ne sont pas très chers et qui rapportent souvent 2, 3, 4 fois plus que ce qu'ils ont coûté, si on pense bien entendu à long terme, pas à court terme. Aujourd'hui, toute la pensée financière, elle est à court terme, il faut gagner le maximum tout de suite. C'est cette économie-là qui a créé l'hyperinflation. D'accord. Et est-ce que c'est ce système-là, justement, qui a fait des États-Unis la première puissance industrielle du monde? Oui, bien sûr. C'est le système de crédit productif public dans le sens hamiltonien, puisque enfin, il y a eu plusieurs périodes aux États-Unis. Il y a eu la création de la réserve fédérale, la fameuse Federal Reserve, qui elle est à moitié indépendante. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne, elle est totalement indépendante. C'est-à-dire les États français ne peuvent pas dire à la Banque centrale européenne, crée tant d'argent pour tel projet. Par contre, aux États-Unis, le Congrès a pouvoir, s'il y a un vote, d'imposer à la Banque, à la Réserve fédérale des crédits. Le problème, c'est que ces crédits, ces dernières années, ont été utilisés pour aller faire la guerre en Irak, en Libye, partout. Mais ça veut dire Absolument. qu'il y a ce droit régalien de créer de la monnaie pour un projet. D'accord. L'idée est arrivée. Alors maintenant, passons à la seconde question. Donc, à ce jour, les pays africains souffrent du manque d'infrastructures de base, comme vous voulez de le souligner à juste titre, de systèmes de santé viables et d'un système d'éducation et de recherche scientifique et technologique performant. À votre avis, par quel côté prendre ce problème et comment faire pour rattraper le retard dans ces domaines? Bah, moi, je suis de ceux qui, comme je l'ai dit, je vois l'Afrique avec les yeux du futur. On a fait le tour des problèmes. Et justement, tout le but de mon livre, c'est de montrer que les solutions sont en train de se mettre en place. Et ça, dans de nombreux pays. Prenons plusieurs exemples. Vous avez le programme de l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui a pour but de relier toutes les capitales africaines entre elles par des trains à grande vitesse. Bon, ça paraissait inconcevable il y a encore 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, ce programme a commencé. On a parlé du train entre Nairobi et Mombasa, entre Djibouti et Addis Abeba, entre Kaduna et Abuja au Nigeria. Vous avez tout un ensemble de projets qui sont en train de se mettre en place et qui vont permettre d'accélérer le processus de développement et d'industrialisation de l'Afrique. Vous avez des pays qui sont certes plus en avance que d'autres. Donc ça, c'est vrai, il y a un petit peu un décalage dans le temps, mais je dirais que la dynamique, elle est déjà là. Il y a beaucoup, par exemple, il faut savoir que, ce que j'explique encore une fois dans mon livre, il y a par exemple 16 pays d'Afrique qui ont déjà lancé leurs propres satellites, fabriqués chez eux par leurs ingénieurs, etc. J'ai eu la chance de voir les essais du satellite angolais lorsque j'étais à Luanda. J'ai pu tenir le satellite dans ma main et maintenant il est dans l'espace. Et ça a été réalisé entièrement par les ingénieurs et les élèves justement du pays.
Et donc ça, si vous voulez, il y a 16 pays qui ont lancé leur satellite. Le dernier, c'est le Botswana, l'Ouganda, le Zimbabwe, la Tunisie. Même l'île Maurice a lancé son propre satellite. Oui, la Et Tunisie, c'est avec le. C'est juste une petite parenthèse pour enrichir un peu votre réponse. La Tunisie, c'est la société Telnet Telnet, oui. et qui a fait un accord avec la Russie sur la fabrication 100% tunisienne d'une constellation de 30 satellites de communication et de couverture d'Internet dans les zones d'ombre, ce qu'ils appellent les zones d'ombre. Oui. Tout à fait. D'ailleurs, on travaille actuellement avec Telnet, avec mes amis en Côte d'Ivoire, pour voir, parce qu'ils proposent des partenariats pour que d'autres pays africains puissent clé en main aussi développer leurs propres satellites. Donc, on est en train de travailler un accord justement avec la Côte d'Ivoire. Enfin, ça, c'est une parenthèse. Et donc, voilà. Et donc, ce qui est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, ces satellites, ils sont utilisés pour la gestion de l'eau, pour lutter contre l'orpaillage clandestin ou le terrorisme. On peut avoir la télédétection. On peut l'utiliser pour tout ce qui est programme de gestion des mines, cartographie, etc. Donc, vous avez 16 pays aujourd'hui qui utilisent les plus hautes technologies pour leur propre développement. Et donc, ça fait des formations, des jeunes qui sont formés dans ces choses-là. Donc, ça, c'est un des aspects, qui est l'aspect, je dirais, le plus avancé, le spatial. L'autre aspect qui est très intéressant, et ça concerne d'ailleurs directement la Russie, puisque vous savez que Rosatom aujourd'hui a signé une dizaine de partenariats avec des pays africains, une dizaine de pays africains, justement dans le cadre d'une politique de développement du nucléaire civil. Donc ça, c'est très intéressant. Ils ont ouvert un centre de recherche sur le nucléaire au Rwanda récemment, et ils sont en train de construire, ce sera la grande surprise, c'est que la prochaine centrale nucléaire africaine va être construite en Égypte. Pour l'instant, il n'y en a qu'en Afrique du Sud, hein. Et donc, on va avoir aussi une révolution du nucléaire en quelques années en Afrique, parce que justement, la Russie a décidé de faire des partenariats, tout clé en main, pareil. Donc, ils forment, ils fabriquent, ils produisent, ils gèrent, mais avec le transfert de technologies et de compétences. Et donc, la centrale d'El Daba en Égypte, je pense qu'elle verra le jour d'ici peut-être une dizaine d'années, si tout se passe bien. Mais le Ghana, le Kenya, l'Ouganda, enfin, tous ces pays ont déjà des programmes de nucléaire civil développés avec Rosatom, puisque Rosatom, enfin, la Russie en particulier, a été le premier à réaliser une barge, mini-réacteur nucléaire sous forme de barge, c'est-à-dire qu'on peut Oui. la mettre le long d'une côte pour amener l'électricité Les très centrales rapidement. flottantes. Centrale flottante. Et d'ailleurs, on voit les Américains et les Européens en train de courir derrière en disant, ben, Monsieur Macron lui-même, il faut faire des small modular reactors, donc des petits réacteurs modulaires, pour rattraper notre retard, parce que sinon, c'est encore la Russie et la Chine qui vont nous passer devant. Donc, on a, je dirais, une barge de retard sur cette question-là. Mais donc, du coup, la Russie est très en avance et justement va permettre à l'Afrique de développer partout des centrales nucléaires, ce qui est une très bonne chose parce que, comme vous l'avez dit, là, le manque d'électricité, c'est le premier Juste, des justement, c'est la premiers des question besoins. suivante. C'est la question suivante. Donc, on est bien d'accord que pour qu'il y ait un développement de l'agriculture, de l'industrie, les pays africains ont besoin de beaucoup d'eau, chose qui fait défaut à pas mal et qui est même source de tensions et de guerres, comme dans les alentours du bassin du lac Tchad. Et ils ont besoin aussi de beaucoup d'énergie et en urgence. Donc, le 20e, c'est dans ce contexte, donc le 20e ou la 20e, excusez-moi, édition du Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique, SIEPA, a démarré mardi 7 mars à Dakar sous la présidence de la ministre sénégalaise du pétrole et des énergies, Aissatou Sophie Gladima. Donc, dans son allocution, elle dit qu'un Africain consomme en moyenne un 20e de ce que consomme un Européen et un 30e de ce que consomme un Américain en énergie. Moins de la moitié de la population d'Afrique subsaharienne a accès à l'électricité, taux ramené donc à moins de 20% pour les populations rurales. Donc,
Alors que l'Afrique, comme vous l'avez déjà souligné, a des possibilités quand même énormes pour l'hydroélectricité. Alors, moi, ma question, comment faire pour résoudre ce problème épineux sans lequel ces pays ne pourront pas réaliser le moindre développement agricole ou industriel? Et une question très importante, parce que qu'on est en train de vendre aux Africains, c'est l'idée d'investir dans les énergies renouvelables comme l'éolien, le solaire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne option? Non, non, non. D'ailleurs, il y a la ministre d'Afrique du Sud. Vous savez, il y a eu la COP récemment en Égypte. Hein. Et donc, il y avait eu beaucoup de résistance, justement, des pays du Sud, et en particulier de l'Afrique, parce que le narratif de dire, voilà, on va vous donner, vous savez, on avait promis 100 milliards à l'Afrique pour qu'elle ne se développe pas. On lui avait dit, voilà, on vous donne 100 milliards, comme ça, vous ne vous développez pas, vous n'allez pas émettre de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre, et vous allez contribuer justement à réduire la température mondiale. Donc là, on rigole, puisque l'Afrique ne contribue en rien aujourd'hui à cette soi-disant réchauffement climatique. Donc, bien sûr qu'il y a une rébellion par rapport à ça. Donc après, on leur a dit, oui, mais développer des panneaux solaires, des éoliennes, il y a eu le projet Desertec qu'on a présenté, Power Africa d'Obama, le plan Borloo, enfin bref, on a sorti toute une série de choses, mais avec aucune intention de les développer. Et de toute façon, il faut être clair, avec l'Afrique, en Afrique, ce n'est pas avec le solaire et avec les éoliennes qu'ils pourront avoir suffisamment d'énergie. Donc il faut le nucléaire, c'est ce que j'ai dit précédemment, il faut développer des politiques de nucléaire civil partout sur le continent. Il faut mettre en place un ensemble de projets. Prenons le projet du bassin du lac Tchad que vous avez mentionné. Il y a un projet très intéressant pour lequel l'Institut Schiller se bat depuis plus d'une trentaine d'années, qui s'appelle le projet Transaqua, qui est le projet justement pour revitaliser le lac Tchad, faire un canal de 2 400 km qui va jusque à l'est du bassin du Congo, où il y a des eaux en quantité abondante qui ne sont pas utilisées, qui vont dans la mer, et donc de faire tout un corridor fluvial de développement qui va de l'est du bassin du Congo jusqu'au Tchad, passant par la Centrafrique. Et là, il y a des dénivelés qui permettent de construire 3, 4 barrages hydroélectriques, justement pour fournir de l'électricité à l'ensemble de la région, qui en manque cruellement. Il n'y a pas d'électricité, très peu au Tchad, très peu dans ces pays-là. Maintenant, il y en a en Éthiopie, ils ont fait leur grand barrage. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ce projet Transaqua, c'est-à-dire le long de ce canal de 2 400 km, on pourrait avoir plusieurs barrages hydroélectriques, justement, qui permettent de fournir l'électricité à l'ensemble de la région. Et en plus de revitaliser le lac, qui a perdu 80% de sa superficie, d'où les conflits, d'où la pauvreté. Vous savez, il y a plus de 5 millions de personnes déplacées dans cette région. C'est un des scandales humanitaires les plus importants de la planète. 5 millions de personnes qui sont déplacées, et ceux qui restent, À cause de la sécheresse. à cause de la disparition du lac et de l'avancée du désert. Et donc, ce projet est fondamental parce qu'il pourrait faire revivre toute la région. Et le long de ce canal, on pourrait faire 50 à 70 000 km² justement de terres totalement irriguées, justement, pour créer un poumon vert et faire un grenier alimentaire pour l'ensemble de l'Afrique. Donc, ces projets-là existent, ce projet Transaqua existe. L'UNESCO, toutes les institutions internationales n'ont jamais voulu le financer. Et juste pour l'anecdote, puisque j'ai eu la chance d'être au Tchad en 2010, il y avait Kadhafi qui était présent d'ailleurs, qui voulait soutenir avec à l'époque Idriss Déby et d'autres ce projet. Bon, là, on sait ce qui est arrivé à Kadhafi par la suite. Mais si vous voulez, à l'époque, il y avait cette volonté d'aller dans ce sens. Et c'est les institutions internationales qui ont empêché ce projet en disant que c'était un projet pharaonique, alors que 2 400 km, c'est rien du tout, puisque en France, vous voyez la France qui est 3 fois plus petite que le Tchad. On a 10 000 km de canaux. Donc, on ne me fasse pas croire que là-bas, c'est un projet pharaonique. C'est une blague. Donc, vous savez, il y a tous ces arguments des ONG qui ne veulent pas le développement des pipelines, ils ne veulent pas le développement des barrages. Vous avez toute cette galaxie, si vous voulez, d'ONG qui est contrôlée en grande partie par l'oligarchie financière. Ça passe par WWF, Greenpeace, tous ces gens qui se battent pour que l'Afrique ne se développe pas, qui sont contre le nucléaire, contre les barrages. Pour créer des zones, si vous voulez, des zones humides partout pour qu'il n'y ait pas de développement. Et donc, il y a un vrai combat idéologique entre cette oligarchie malthusienne et ses relais écologiques, écologistes et ONG, et les gens qui veulent se battre. Donc, des projets comme ça, il y en a plein en Afrique. Vous avez le Transaqua, mais vous avez aussi le projet des lacs Faghibi au Mali. Vous savez qu'on peut irriguer, c'est au nord, au nord-ouest de Tombouctou, vous avez 5 lacs
pareil, qui sont un peu en perdition. Et Kadhafi, à l'époque encore, avait lancé le projet Mali-Biya pour Mali et Libye, donc un projet commun avec le Mali, pour irriguer 1 million d'hectares de terre pour créer justement de créer le grenier alimentaire pour toute l'Afrique de l'Ouest. Donc malheureusement, ce projet n'a pas abouti, on le sait, parce que l'OTAN et la France ont décidé d'assassiner Kadhafi. Mais ces projets existent et ce projet-là pourrait mettre fin D'accord. définitivement à l'insécurité alimentaire dans la région qui touche plus de 30 millions de personnes. D'accord. Bon, une dernière question, Monsieur Pérémoni, pour cet entretien très passionnant, je dois l'avouer. Donc, dans votre livre, Voir l'Afrique avec les yeux du futur, d'ailleurs, je vous demanderai encore de le montrer, s'il vous plaît, à nos auditeurs, Voir l'Afrique avec les yeux du futur, que j'ai pu lire en format PDF, je m'excuse, je ne peux pas le montrer à nos auditeurs. Donc, dans votre livre, vous développez quand même une idée qui m'a paru fondamentale. C'est lié au paradigme culturel. Donc, vous estimez dans votre livre que les Africains ont besoin d'insuffler un nouveau paradigme culturel dans leur société pour mettre fin à celui du néocolonialisme, c'est-à-dire pour sortir les mentalités africaines de leur soumission, disons les choses comme ça. Alors, vous pensez que, faute de ce nouveau paradigme, ils ne pourront pas se développer. C'est pour aller jusqu'au bout, jusqu'au point de défendre le droit, et donc des Africains à l'énergie nucléaire, à la technologie spatiale et autres, tous les ce que ils développaient dans la high-tech dans tous les pays. Alors, la question, pouvez-vous développer un peu cette idée et pensez-vous qu'un partenariat avec la Russie et la Chine pourrait aider justement à cette révolution culturelle et scientifique à laquelle vous croyez et appelez de tous vos voeux? Bah déjà, sur la fin de la question, la coopération scientifique Oui, vous l'avez et déjà évoqué, infrastructurelle, disons. c'est ce que j'explique dans mon livre. C'est-à-dire que j'ai tout un chapitre sur les nouvelles routes de la soie en Afrique. Bon, les routes de la soie, vous savez, c'est depuis 2013, mais depuis 2000, vous avez les FOCAC, les forums de coopération sino-africains qui ont lieu tous les 3 ans. Et quand on regarde le bilan de la coopération entre la Chine et l'Afrique, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. C'est des milliers de kilomètres de routes, de voies ferrées, des ports, des aéroports, des ponts. Enfin, il y a énormément déjà de choses, et c'est ça que souvent on ne voit pas en Europe. C'est qu'il y a énormément de choses qui ont été faites en partenariat avec la Chine, qui est devenue d'ailleurs le premier partenaire commercial de quasiment tous les pays d'Afrique. Voilà, et également la Russie, qui avait d'ailleurs bon, historiquement participé aux luttes pour les indépendances, pour libérer l'Afrique justement du colonialisme occidental, et aujourd'hui, comme je l'ai dit, travaille avec beaucoup de pays, plus d'une dizaine en tout cas dans le domaine de la coopération scientifique autour du nucléaire, et aussi, il faut le dire, dans le domaine de la sécurité et du militaire, avec d'autres. On le voit, les accords de partenariat qui ont été fait avec le Mali. Donc c'est très positif parce que vous savez, les accords de coopération militaire ou monétaire qui avaient été faits entre la France et les anciennes colonies, c'est que c'était des accords, mais les Africains n'avaient pas le droit à leur monnaie et n'avaient pas le droit d'avoir d'armée. Donc Ben, c'est allez sûr. vous défendre comme ça. Donc ce que propose la Russie aujourd'hui, par exemple dans le domaine militaire, c'est de fournir les moyens logistiques et de formation pour que les pays puissent développer leur propre armée et pas ne pas justement dire c'est nous qui allons venir vous sauver. Donc c'est un partenariat qui est complètement différent et qui évidemment attire de plus en plus de pays. Je sais que le Cameroun a signé des accords aussi avec la Russie et le Congo prochainement. Enfin, il y a beaucoup de dynamique vers ça. Donc ça, c'est la première chose. Après, je pense que sur la question culturelle, ça peut jamais venir de l'extérieur. Vous savez, la Chine est très fière de sa culture. Les jeunes, on les forme à leur civilisation, à l'histoire de leur civilisation, ce qu'ils ont apporté au monde. Bon, aujourd'hui, l'Afrique, avec évidemment l'impérialisme, puis le colonialisme, puis le néocolonialisme, l'Afrique, évidemment, a perdu, si vous voulez, une partie de son héritage. C'est pour ça que moi, j'ai fait beaucoup de conférences sur Cheikh Anta Diop, qui lui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. En disant voilà que même la culture européenne doit beaucoup à l'Afrique.
doit énormément à l'Afrique. Les Platons, tous ces Pythagore et tous ces gens-là ont tous été, si vous voulez, été formés en Égypte, en Afrique, avec toute la dynastie des pharaons noirs, en fait, hein, qui venaient de Nubie et de la région des Grands Lacs. Donc, vous avez toute cette histoire passionnante qui est l'histoire universelle, qui est malheureusement, qui jusqu'à présent était peu connue. Alors, ça change un petit peu. Puisque, en effet, comme je disais, maintenant, il y a quand même beaucoup de livres de panafricains, d'émissions. Il y a une vraie renaissance de la civilisation africaine. Donc ça, au sens profond du terme. Et je pense que, pour moi, pour avoir beaucoup d'amis dans ces milieux-là, voilà, c'est très intéressant de voir, D'accord. voilà, de voir qu'ils se réapproprient leur histoire, mais leur vraie histoire, pas celle, comme on dit, qui a été racontée par le chasseur. D'accord. Donc maintenant, une dernière question, Monsieur Pérémoni, pour passer à, disons, à la pratique. J'ai lu avec beaucoup de plaisir votre livre et j'ai fait, je dois vous l'avouer, cet entretien avec vous aussi avec beaucoup de plaisir. Mais les idées que vous développez méritent quand même d'être connues. Est-ce que il y a des choses qui se font dans ce sens? Bah Et écoutez, on ne peut c'est-à-dire pas. connu et défendu sur la place publique. Oui, bien sûr, bah on ne peut pas être plus concret pour moi que de défendre ses idées par l'engagement politique, pas au sens politicien, hein, mais au sens de s'engager pour prendre des responsabilités, pour changer la France et mettre fin au franc CFA et tout ce qu'on a parlé. Et donc, pour l'occasion, en effet, je suis candidat donc à l'élection législative partielle dans la 9e circonscription des Français de l'étranger. Donc, Ah, c'est. d'accord. Voilà, donc c'est tous les pays, si vous voulez, de l'Afrique du Nord et donc de l'Afrique de l'Ouest. Hein, donc je vais les citer rapidement, si vous voulez bien. Donc vous avez évidemment l'Algérie, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Sierra Leone et Tunisie. Donc c'est une Mais circonscription. c'est une élection qui va se refaire ou comment Oui, le 2 avril. Donc c'est D'accord. en fait, elle a déjà eu lieu l'an dernier, mais suite à un problème avec le vote électronique, elle a été annulée par le Conseil constitutionnel. Donc le vote par vote électronique aura lieu du 24 au 29 mars, là, prochainement, et le vote dans les ambassades et les consulats le 2 avril. Donc tous les gens, les Français ou binationaux qui vivent dans ces pays-là, je les invite à se renseigner, savoir s'ils sont D'accord. inscrits sur les listes électorales, et de se renseigner sur cette élection où justement je développe sur mon site, si vous voulez, tout ce qu'on a débattu aujourd'hui pour justement voir l'Afrique avec les yeux du futur et aussi voir la France avec les yeux du futur, parce que si je suis élu, je serai député français. D'accord. Ben, je ne peux que vous souhaiter bon courage et bonne chance et merci pour cet entretien passionnant. Merci à vous. J'espère vous retrouver une autre fois pour un autre sujet concernant l'Afrique. Merci beaucoup. Avec plaisir.